put it on no man. Really wanna see this pose on me. Put it on no man. I am anyone you want me to be. Put it on no man. Really wanna see this pose on me. Put it on no man. I am anyone you want me to be. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo d'un nouveau tag. Alors normalement je ne vais pas mettre de chansons ou de musique sans droit d'auteur et je n'ai pas un haut avec une marque dessus, donc normalement cette vidéo est censée passer sans que je reçoive un email, chose qui m'est déjà arrivée par rapport à ma vidéo des choses à la mode hashtag nuit si je me trompe pas, qui était postée il y a même pas un mois sur ma chaîne, où je portais un haut bleu. Et j'ai reçu deux emails, un pour les droits d'auteur parce que du coup j'avais porté un haut avec une marque, et un deuxième email concernant la loi 13, donc du coup c'est super. Ça commence à nous faire chier mais c'est pas grave. Bref, donc du coup je vous retrouve pour un tag, celui de Love Pulip C, qui est le tag Je jette des pulipes. C'est un tag qu'elle a repris version non pulipe et elle l'a adapté en pulipe. Donc en fait le principe est très simple, je vais piocher à chaque fois trois modèles de pulipes différents et je dois en choisir une pour celle que je veux garder, la deuxième pour celle que je vends et la troisième évidemment pour celle que je jette. J'ai choisi pour chaque année de 2003 à 2018 trois modèles différents que j'aime ou que je n'aime pas, parce que si je prends que des modèles que j'aime ça va être trop dur pour moi et je vois pas l'intérêt. Donc du coup c'est là dedans. Alors je ne garantis pas que je les ai bien mélangés, donc je vais le faire à côté. Normalement c'est bon, je vais en piocher 3. D'ailleurs en général quand je fais des vidéos avec des... Ok, il y en a un qui est tombé. Donc oui, en général quand je fais une vidéo avec des petits bouts de papier, on ne voit pas écrit ce qu'il y a sur le petit bout de papier. Donc ça sert à rien que je vous montre, parce que du coup sinon je vais galérer à ce que le zoom se fasse sur l'écriture, en sachant que j'ai très mal écrit, donc c'est pas grave. J'en pioche 3. 1, 2 et 3. Hop, je pose mon bol. Premier modèle, il s'agit de la pulipe Bancha Halloween, qui est une Dream slash Ultimate Dream dans les grooves. Non, je sais pas si vous allez bien voir. Non, je pense pas. Je sais pas. Donc, pulipe Bancha Halloween contre la pulipe Unkan Riki, qui est une Dream Planning. Et le dernier modèle, la pulipe Naoko. Alors je pense que ça va être facile. Entre ces trois modèles, la pulipe que je jette, c'est la pulipe Naoko. Alors je sais que je vais me faire taper sur les doigts, mais j'avais vu la pulipe Naoko en vrai de Kurene Kodol, et en fait je me suis rendu compte que... En fait c'est très compliqué. La pulipe Naoko, je l'aimais pas, je l'ai un petit peu aimée, et depuis que je l'ai vue en vrai pendant les grandes vacances au mois d'août, je ne l'aime pas tant que ça. Et si je l'ai, elle serait semi-FC, et je n'aime pas semi-FC des poupées, donc voilà pourquoi je jette la pulipe Naoko. Je sais que plein de gens l'ont, je sais que plein de gens l'aiment, etc. Après ça n'empêche pas que je trouve la pulipe Naoko très jolie, customisée, mais moi personnellement je la veux plus. Même si j'avais un petit projet pour elle. Ensuite, donc la pulipe que je jette, c'est la pulipe Naoko. Je vends la pulipe Bancha Halloween parce que au tout début, quand j'ai commencé les pulipes il y a plus de 6 ans, c'était une Ultimate Dream. Et plus le temps passait, et je me suis rendu compte qu'en fait, je l'aime, j'aimerais bien l'avoir, j'ai un projet pour elle, mais sans plus. Et donc du coup, je garde la pulipe Unkan Riki qui est trop belle, que je veux trop, c'est une Dream Planning. Elle est trop belle, son outfit est à tomber par terre. Donc voilà, pour l'instant ça va, c'est facile. Ensuite, nouvelle pioche. J'en ai deux. Hop. Premier modèle, pulipe Akel, modèle que j'ai déjà eu, mais que j'ai revendu. Pourtant j'aimais bien ma pulipe Akel, je la trouvais jolie, customisée. La pulipe Elisabeth, Anae, que j'ai. Pour l'instant il y a eu deux pulipes, une des deux que j'ai et l'autre que j'ai déjà eu. Et la pulipe Shinku. Alors, je sais que c'est pas la Shinku Jump Planning, enfin je sais plus. C'est la Jump Planning que j'ai marqué ou pas, je sais plus, j'ai pas précisé si c'était la Jump Planning ou la Groove. On va dire que c'est la Jump Planning, voilà. Alors ça va être très simple, celle que je jette, c'est la pulipe Shinku Jump Planning. Je ne l'aime pas du tout, vraiment pas. Pourtant, dans l'anime Rosen Maiden, c'est mon personnage, c'est l'un de mes personnages préférés. Mais je n'aime pas la pulipe, que ça soit la Jump Planning ou la Groove. Je la jette, la pulipe que je vends, c'est la Akel, parce que je l'ai déjà vendue.
Et la pellicule que je garde, c'est évidemment Anae. D'ailleurs, Anae, j'ai reçu son Obitsu il y a quelques jours, teinté. Du coup, bah, son Obitsu est de la même couleur que sa tête. Enfin, du moins, j'espère. Parce que j'ai pas trop eu l'occasion en plein jour de voir si la couleur lui allait par rapport à la tête, au visage pardon. Enfin bref. Ensuite, je continue. Pulip Allura. Pulip Classical White Rabbit. Beau modèle. Et la Pulip Belle. La Pulip Belle, c'est une groove récente. Elle a été faite en 2017 ou 2018, je sais même plus. Alors, il y a que deux modèles que je n'aime pas. Donc ça va être super. Je vais commencer par celle que je garde, c'est la Pulip Classical Queen, je la trouve très jolie. J'aime quasiment toutes les Pulip Classical Queen customisées. J'aimais bien celle de Hatsue quand elle l'avait, avec les yeux sans pupille et la perruque châtain foncé en carré, je l'aimais beaucoup. Voilà, c'est vraiment un très beau modèle que je trouve super beau. En général, les Pulip Classical White Rabbit, simple, c'est-à-dire elles reprennent des yeux bleus et une wig châtain, j'aime beaucoup. Donc je garde la Pulip Classical Queen. Je vends la Pulip Allura parce que c'est celle que j'aime le mieux entre la Allura et la Belle. Et je jette la Pulip Belle parce qu'elle m'intéresse pas du tout, je la trouve pas du tout belle. Enfin, j'ai vachement du mal avec les Pulip Groove à partir de 2015, j'ai vachement de mal. Donc voilà. Et ça va, pour l'instant c'est facile. Hein. Alors 1, 2 et 3. Et je vous mettrai le lien de la chaîne YouTube de Pulip, de Love Pulip C pardon. Et ainsi que sa vidéo du tag. Donc le tag il vient d'elle. Hein. Je pense que vous avez compris. Alors, Pulip Bonnie, j'aime pas du tout. Voilà. Pulip Romantic Alice Blue version, pas la pink. Et la Pulip Sabrina. Oh, ça va être facile aussi. Alors je les mets en face de moi sur mon bureau. Celle que je jette, c'est la Pulip Bonnie. Celle que je vends, c'est la Pulip Romantic Alice Blue. Parce que je sais que si je l'ai un jour, je vais la revendre, donc voilà. Et celle que je garde, c'est une groove, la Pulip Sabrina, que j'aime trop. Voilà, je continue. J'essaie de faire vite parce que j'en suis à une minute de vidéo. La Pulip Mire, la Pulip Étoile, c'est une groove récente de 2017 ou 2018, je sais même plus, 2018 je crois. Et la Pulip Kumio. Alors Kumio, c'est pareil, c'est une groove de... récente 2018. En fait sur le coup je me rappelle plus à quoi elle ressemble à Kumio. Je crois que c'est celle qui a les cheveux violets et les grosses queues de loup ou je sais pas quoi. Je crois que c'est elle. Je jette la Pulip Kumio si c'est bien celle qui a les cheveux violets avec plusieurs queues. Je vends la Pulip Étoile parce qu'elle m'intéresse en plus, enfin je la veux pas. Et je garde la Pulip Mire parce que c'est celle qui me plaît le plus entre les trois modèles. Pulip Fourrure, Pulip de 2003 ou 4 2000... J'ai un doute. 2004 je crois. Pulip Galène, très beau modèle, et Pulip Akoya. Oula. Alors je jette la Pulip Fourrure parce que c'est celle qui m'intéresse le moins dans les très anciens modèles de June Planning. Ah ouais, en fait, la Pulip Galène, je la trouve très belle, customisée. Au niveau du maquillage, elle est super belle, alors qu'avant je m'étais jamais intéressée, je la trouvais moche. Et la Pulip Akoya, je l'ai toujours détestée. Mais j'adore celle de Shironeki, mais je sais que si j'ai la Pulip Akoya, je vais pas savoir comment la customiser. Donc je vais dire que je vends la Pulip Akoya et je garde évidemment la Pulip Galène, qui est Galène, qui coûte une blinde mais qui est super belle. Pulip Fanatica 2005, Pulip Lapinus, Pulip Cinderella. Alors sans me casser la tête, je vends la Pulip Cinderella parce que j'adore celle de... J'adore la Dahlia Cinderella, mais j'aime pas la Cinderella, celle qui a la robe bleue. Je vends la Pulip Lapinus parce que en dehors de ses lèvres, je l'aime pas. Peut-être que dans le futur, je pourrais l'aimer, mais pour l'instant, je l'aime pas à part ses lèvres. Et je garde la Pulip Fanatica 2005 parce que c'est un très beau modèle. Et j'ai craqué sur la Pulip Fanatica 2005 quand je l'ai vue en vrai, celle de Kurene Kodol qui s'appelle Kyo. Elle est vraiment super belle. Pulip Optical Alice. J'ai du mal avec ce modèle, c'est une groove. Pulip BH, encore pire. Et Pulip Cosmic Mercu. Sans hésiter, je garde la Pulip Cosmic Mercu parce que j'ai la Pulip Céleste. Celle que je vends, c'est la Pulip... Non, j'hésite. Parce que la Pulip BH, je l'ai toujours aimée, mais quand je l'ai vue en vrai, celle de Shinobu Pulip, je déteste ses sourcils. Et en fait, elle a du rose en dessous les yeux et c'est bizarre parce que sur quasiment toutes les photos ou vidéos, on ne voit pas le rose en dessous les yeux. Du coup, bah, c'est pour ça que je l'aime plus et je l'aime plus du tout. Mais c'est dommage parce que
là on juge le maquillage de la Pulip, on juge pas l'outfit etc. Et c'est dommage parce qu'elle a un très beau outfit, elle est très belle customisée. Mais je sais que si je l'ai, je vais la semi-FC des sourcils, ça c'est sûr. Donc et la Optical Alice, non je vais dire je garde la Pulip BRH, je vends la Optical Alice et je... Non attendez, je recommence, je me suis emmêlée les pinceaux. Je garde la Pulip Cosmic Mercu, je jette la Pulip Optical Alice et je vends la Pulip BRH. Voilà, comme ça c'est plus clair. Ensuite, une... Alors si je suis penchée comme ça, c'est parce qu'il y a mon bureau, hein, je tiens encore à le dire. C'est bon. Alors, Pulip Princesse Anne, qui est de la même série que la Sabrina. Pulip Rida, Pulip Cheshire Cat. Alors là, c'est trois modèles que j'adore. Vraiment, que j'adore. Là, c'est compliqué. Oh là 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 là. Mon Dieu. Je veux dire, je jette à contre-cœur la Pulip Cheshire Cat. Mais elle est super belle. Mais je sais que si je l'ai, je vais lui racheter des customisations comme c'est custo stock. Donc, je n'ai pas l'intérêt de l'avoir. Même si elle est super belle. Donc, je jette la Pulip Cheshire Cat. Et laquelle que je garde et laquelle que je vends entre la Rida et la Princesse Anne. Mais elles sont tellement belles, ces deux-là. Allez, tant pis. Je vais dire, je garde la Pulip Rida. Parce que je la veux dans mes futures prochaines Pulip. La Princesse Anne aussi, je la veux de ouf. Mais je n'ai pas d'histoire pour elle. Donc pour ça, je la vends. À contre-cœur. Pulip Gita. Beau modèle. Pulip Peter Pan. J'ai du mal. Et Pulip... Alt. Super, j'ai une Ultimate Dream dans le lot. Alors ça va être super simple, la Pulip Alt je la garde parce que c'est une de mes Ultimate Dream, elle est tellement belle, voilà. Je vends la Pulip Gita parce que je la veux mais j'aurais du mal à la customiser parce qu'elle est très dure à customiser. Regardez le maquillage de la Pulip Gita, je pense que vous êtes d'accord avec moi mais elle est super dure à customiser. La Alt je la garde, la Gita je la vends et la Peter Pan je la jette parce que je ne la veux plus. Parce qu'elle est naturelle, elle est pas white et parce que je l'aime pas trop. Pulip Froggy, beau modèle. En plus la Pulip Froggy, on dirait trop que c'est une June Planning mais c'est une Groove. La Pulip Rayanami et la Pulip Alice Mad Hatter. Je garde la Pulip Alice Mad Hatter, même si j'ai déjà une Alice dans mes poupées. Je vends la Pulip Rayanami, pardon. Et je jette la Pulip Froggy parce que même si je l'aime, elle coûte une blinde, donc voilà. Et c'est trois modèles que j'aimerais trop avoir pour m'éclater en customisation, genre, vraiment. Mais bon, c'est pas une priorité, donc c'est pour ça que je la jette. 1, 2 et 3. Pulip Misako Aoki. J'adorais celle de Isa Seko-chan. Quand elle lui avait mis des yeux sans pupille vert pailleté avec sa perruque stock, elle était magnifique. Je sais pas si elle l'a changée parce que du coup je la suis plus, mais elle était magnifique. La Pulip Oren, super, deux modèles que j'aime. Et la dernière, Pulip Sakura Miku. Pff, alors là, sans hésiter, je pense, je jette la Pulip Sakura Miku. Je n'aime pas les Miku, sauf à la limite la Miku Snow, mais je la veux pas, de toute façon. Donc la Pulip Miku Sakura, je la jette. Je vends la Pulip Misako Aoki parce que je la veux mais sans plus. Et je garde la Pulip Oren parce que c'est ma vie. Non c'est pas ma vie, on va pas exagérer non plus mais elle est super belle. Normalement on est censé, enfin à la fin du bol, je suis censée avoir trois modèles restants. J'espère. Pulip Rovan, je ne l'aime plus cette Pulip. Pulip Carole, je l'adore, elle est magnifique. Et Pulip Chill, non mais en fait là, en fait ce choix il va me tuer en fait. La Pulip Chill, la Pulip Carole, je les aime beaucoup. Sans hésiter, pour la Pulip que je jette la Pulip Provam. Tant pis, je vais dire, je vends la Pulip Carole. Parce que la Pulip Carole, ça fait depuis pas très longtemps que je la veux. Et la Pulip Chill, je l'ai toujours voulu. Magnifique, trop belle, donc je la garde. 1, 2 et 3. Pulip Wind, Pulip de 2003. Pulip Akimi 2013. Désolée de dire ça, mais je la trouve pas du tout belle, vraiment. Et la Pulip Meg. Sans hésiter, je jette... Alors là, je vais me faire taper, mais taper fois 1000. Parce que plus de la majorité des doliens et des doliennes l'ont cette Pulip. Je jette la Pulip Akimi 2013. Je ne l'aime pas. Quoi qu'elle peut être belle, customisée.
Il y a des Plip Akemi 2013 que je trouve belles, customisées, et je le dis aux gens, mais c'est pas un modèle que j'aime. Vraiment, je la trouve pas belle du tout. Pour pas dire qu'elle est dégueulasse ni quoi que ce soit. C'est mon avis personnel. Donc ça sert à rien de me taper dans les commentaires. Oui, tu dis qu'elle est dégueulasse, non, non, c'est pas mon avis. Mais là, je parle pour mon avis personnel, hein, je tiens à le préciser. Donc je la jette. Je vends la Plip Meg parce que je la veux pas. Et je garde la Plip Wind parce que, en plus, physiquement, elle me ressemble de ouf. Enfin, de ouf, on va pas exagérer non plus. Mais elle a des yeux verts, j'ai les yeux verts, elle est châtain, j'ai les cheveux châtains. Vous allez me dire, oui mais t'as un thé blonde. Non non, c'est un tie and dye, hein. Voilà. Et elle porte du rouge à lèvres rouge, et j'adore le rouge à lèvres rouge. C'est l'une des couleurs qui me va le mieux en rouge à lèvres avec le violet, donc voilà. Ouais c'est bon, il m'en reste 3 dans le bol, parfait. Philippe, le proto, c'est un modèle que je n'ai jamais aimé, mais que j'ai commencé à aimer grâce à JDC Paris, qui s'appelle Julien, c'est un pote à moi. Qui m'a d'ailleurs acheté ma Hello Kitty, que d'ailleurs le chèque est fait pour que je le rembourse. Plip Bianca, je ne l'aime pas. Et Plip Luna Tokidoki. Pouh, alors là c'est comme la Akemi, je jette même pas à contre-cœur. La Plip Luna Tokidoki, je la trouve pas belle, mais pas belle, pas belle. Je vends la Bianca parce que je la veux pas. Et je garde la Lo Proto parce qu'elle est trop belle. Alors qu'il y a quelques mois je l'aimais pas la Plip Lo Proto, pendant plus de 6 ans je l'aimais pas, hein, mais je l'adore au final. Du coup, dernière pioche, et cette vidéo sera terminée. Plip Kayano, alors c'est celle qui ressemble à la Plip Prunella, celle qui a les cheveux rouges, les lèvres un peu couleur pêche, les yeux marrons si je me trompe pas, avec un kimono ou un yukata en outfit, et c'est une groove. Donc elle, je l'aime bien, mais pareil, c'est comme la Plip Cheshire Cat, à part lui mettre une perruque rouge comme sa perruque stock, je ne saurais pas quoi lui mettre. Donc la Plip Kayano, la Plip Noir RS, Anna, et la Plip Ala. Je garde la Plip Noir RS parce que ça serait bête que je la vende ou que je la jette, puisque Anna c'est ma toute première Plip que j'ai depuis plus de 6 ans et c'est mon coup de cœur absolu, c'est celle que je préfère le plus dans mes Plip Groove. Donc je garde Anna, Anna, Plip RS Noir. Je jette la Plip Kayano, donc la Groove aux cheveux rouges, et je vends la Plip Ala. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et n'hésitez pas à reprendre son tag, je le trouve super sympa, il y a quelques personnes qui l'ont repris, donc voilà, moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, salut!